appelez WSR. Comment faire mieux que cette saison? Sur la route vers les Grid War Series, on peut s'attendre à encore plus d'action. Et tout ça, ça se passe ici au WSR. Salut tout le monde, c'est Jacques, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Grid 2009. Donc là on va voir un petit peu ce que ça donne les gars. Est-ce que je pourrais... Voilà, déjà. Pour commencer déjà, il va falloir aller régler un peu les options, un peu tout. Donc ouais, je vous disais. Donc là on est parti sur du Grid 2019. Donc ce qu'il faut savoir sur du Grid... non, on va pas mettre la musique, j'en ai pas besoin. Effet commentaire. Ok, ça c'est bon. Donc oui, ce que je vous disais par rapport à Grid, c'est que bah j'ai suivi ce jeu, je l'ai fait depuis que... En fait, si vous voulez, à la base, Grid, ça n'existait pas, c'était à l'ancienne, c'était Toka Touring Car. Donc il y a eu Toka Touring Car 1, 2, 3, et je crois qu'après le 3, ils sont passés directement à Grid. Donc j'ai fait Grid 2, j'ai fait Grid Autosport. Tout ce qui est Toka Touring Car et tout, j'ai tout fait, plus les grids là, et là on va s'attaquer à celui-là, donc plutôt content de pouvoir voir un peu celui-là. Donc je fais quelques petits réglages vite fait, et puis après les gars, on s'en va, on va aller direct, hein. Donc là apparemment ça a l'air d'être nickel ici. Les commandes, je voulais voir les manettes. Je voulais voir un peu les manettes, comment ça se passe. Si on clique dessus. Modifier l'appareil, changer le pré-réglage. Le truc c'est que je sais pas, non on va laisser comme ça et on verra bien. Enjeu, kilomètre heure, champ de vision, ok. Difficulté, voilà, parce que bon, j'aurais pas trop que ça tourne en mode arcade. Parce que bon, à la base, les Toka Touring Car c'était vraiment basé sur la simulation, mais apparemment c'était vraiment trop simulation. Moi j'aimais bien, franchement j'aimais bien. Et dès qu'ils ont attaqué les grids, il y a eu un petit peu d'arcade qui s'est mis dedans. Donc bon, pour enlever tout ce mode arcade, voilà, faut se mettre peut-être pas en très difficile, quoique en difficile c'est bien, ça suffira en difficile complet, les dégâts complets, dégâts critiques, oui. IA, ah oui, apparemment l'IA maintenant va commencer à nous embêter un petit peu. Non, on peut plus changer, non, c'est parce qu'on l'a personnalisé, d'accord. Donc dégâts complets, dégâts critiques, oui. Flashback 3, ouais, c'est bien, pas besoin d'en mettre plus. Est-ce que je peux changer les vitesses semi-automatiques, manuel séquentiel? Semi-automatique, non, manuel séquentiel, plus embrayage. En H avec embrayage, mais bon, j'ai pas tout ça. On va mettre manuel séquentiel, c'est très bien. Embrayage, non, c'est bon, je suis pas avec le volant, je suis avec la... Pour une fois que je vais jouer avec une manette, ça fait un peu bizarre. Trajectoire idéale, non. ABS, ouais, système, contrôle, ok. Bon, on va laisser ça comme ça, je pense. Je pense que c'est pas mal, ça. On va recommencer la course direct, les gars. Donc, normalement, j'ai fait que les petits réglages, les gars. Normalement, ça devrait le faire un peu mieux. Ouais, c'est pas mal, ça. Bon, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis un petit peu... un bourrin là-dessus. Faut juste que je me réhabitue, c'est... Voilà, la conduite, hein, parce que ça fait un bout de temps que j'ai pas conduit. Faut que je me remette un peu les touches en tête. Enfin, il y a pas mal de trucs qu'il va falloir que je me refasse. Hein. J'ai plus l'habitude, les gars. J'ai plus l'habitude. Ouais. J'ai plus trop l'habitude, les gars. Il va falloir que je m'y remette. Hein. Ça, c'est clair. Parce que même au changement de vitesse... Ah ouais, surtout, hein. surtout les gars. Allez, on va essayer de se faire un tour à peu près correct, les gars. T'inquiète pas. Juste que je peux en mettre dans le délire. Et dès qu'on sera remis dans le délire, les gars, ça ira beaucoup mieux. Ah,
Alors c'est pareil, il doit y avoir des vues. Mais les vues, j'ai pas encore regardé. Il y a des ennemis, enfin on a un coéquipier, on a pas mal de petits trucs, sauf que bon, pour l'instant j'ai pas encore regardé tout. Déjà on va essayer juste de finir celle-là. Ok, il y a même des confettis maintenant. Ok, dégâts sur la voiture, 14e, c'est pas mal. Avec cette course terminée, on se retrouve à Indianapolis. Je voudrais pas rater ça, Kristen. Il ne faut pas manquer ça. Les Grid World Series sont à portée de main. Je pense qu'on va avoir une sacrée lutte. Donc là, on repart sur une deuxième petite course. Donc là, c'est un anneau, ça devrait aller un peu mieux. Je pense que là, sur celui-là, ils vont nous faire voir un petit peu toutes les catégories de course. Donc on va faire un petit peu de chaque catégorie, puis on verra bien après. Ah ouais, un petit carton. Ça me fait partir direct là. Ouais, ça me fait partir direct. Beau réflexe, ça aurait pu mal tourner. Allez, profite-en. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, ça aurait pu mal tourner. Ah bah écoutez, on va tester ça. T'as plein d'opportunités pour utiliser. Ok, y a que 4 vitesses les gars, donc. Ouais, moi je suis assez brutal hein les gars. Moi faut que ça y aille. Faut que les gars ils aillent au charbon. Ok. Ok. Ok, charbon c'est un petit peu trop là quand même. Avec moi les gars, ça va swinguer hein, je vous le dis. On en profite, on a du Y, du flashback. Ça passe à fond ça, en plus y'a même pas besoin de se casser la tête. Ça passe à donf. Aspi, aspi. Je crois que c'est la vue qu'il faudrait que je change, parce que moi ces vues là c'est pas trop mon truc. Allez là, laisse moi. Oh putain, bouge. Mais non, tiens, regarde, un petit bloc passe. Ah bah voilà, c'est ça la vue. Ok, drapeau blanc à fond. Et moi voilà, c'est ça que je préfère. Moi je préfère cette vue là les gars. Donc il y en a, ils vont pas aimer. C'est sûr. Mais moi celle là que je kiffe. Oh, il a perdu son capot le mec. Faites pas les fous, faites pas les fous. Oh là 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 là. Allez, on repart comme ça là. Attention à ne pas aller trop loin. Ouais, attention à pas aller trop loin. Oh putain, oh putain. Oh les gars. Attendez, on va essayer de les esquiver là. Parce que j'arrive comme une comme un ouf là. Vous voyez là, ici là. Voilà. Non, ouais, j'ai essayé de l'esquiver. Bah ouais, mais attendez les gars là. Moi hey. Ouais, j'arrive comme un ouf. Et les mecs ils font n'importe quoi. Ils font n'importe quoi ces enfoirés. Tu t'approches de la ligne d'arrivée, finis fort. Ouais, j'aurais pu finir plus fort encore, mais bon. C'est que j'ai pas eu trop de chance, on va dire. Et tout se joue à Brands Hatch, Kristen. Ne laisse pas la météo te duper, Alex. Les nuages sont peut-être gris, mais la course va être haute en couleur. Ok, Michel. Si on prend en compte la complexité d'une route recouverte d'eau. Gagner dans ces conditions et avec cette pression démontrera un talent digne des Grid World Series. Ok. Sans plus attendre, cette finale est sur le point de commencer. Tenez bien vos parapluies, c'est jour de course. Ah ouais. Ok, donc là on part sur ouais. Les caisses des missions, madame, tout le monde un peu plus boosté. Ça va être tendu. En plus il pleut. Ah ouais, sortie de piste, d'accord. Freine, freine. Ok.
Alors ça commence comment là? Ok, ça commence là. Ok, reste calme et reprends le contrôle. C'est ça. Bon rétablissement. Ah, je connais le circuit. Et fais attention, la piste est glissante. La piste est glissante, ouais, bah, j'imagine. Alors vous voyez, ce circuit là en fait c'est le premier circuit qu'il y a dans Toka Touring Car. C'est le premier circuit qu'on a et qu'on commence là dessus. Donc on va voir ce que ça donne. On prend la spi, là ça va tourner à droite. Je me rappelle très bien de ce circuit là. Très bien. Oh les gars, bougez pas les gars, ça passe miel, ça passe miel. Qu'est-ce que tu veux toi? Bouge de là. Bouge de là toi aussi là, espèce de fou là. Tu veux que je m'arrête ou quoi? Ah ouais, si tu veux que je m'arrête hein. Celui-là je le connais, ouais. Ce circuit là je le connais bien. Là il va falloir ralentir un petit chouïa. Ça je le savais. À chaque fois de toute façon c'était toujours pareil. Ah ils sont revenus en bon là. Attention les gars, attention. Faut passer ici là. Bouge. T'inquiète même pas. Enlève ta culotte, c'est moi qui pilote. T'inquiète même pas mon pote. Je suis un peu brutal quand même dans les virages. J'avoue, c'est un peu brutal. De là toi, espèce de saucisson là. Oh ok, je me suis carrément trompé les gars. Ok, il est là. Et puis je change de vue en plus. Je me suis carrément planté. Je me disais il y a un problème, mais ouais en fait le souci c'est quoi, j'ai plus le capot là je crois. Et je dois plus avoir le capot de la caisse. C'est moi dans la caméra, vous avez vu? Bah oui, mais attends, quelle course! Normal! Ouais, c'est ça, les gars, j'avais plus de pare-choc, plus de capot, plus de pare-choc, y'a plus rien. Tout dépouillé, le mec. Donc, celui-là, c'était vraiment le premier circuit de Toka Touring Car. On commençait bah, le mode carrière avec celui-là. Tu vas dominer au Krill World Series. T'as un sponsor aligné? Il ne te reste plus qu'à montrer ton talent maintenant. Bah vas-y, fais voir. Kristen, c'est toi l'experte. Mais de là où j'étais, j'ai trouvé que c'était une finale mémorable, d'une perte de contrôle en milieu de course à une arrivée électrisante. Cette course et le reste des WSR nous a offert de nombreux souvenirs de course. Mais quelle sera la suite? Pour ceux qui sont suffisamment talentueux pour être arrivés là et qui ont réussi à se faire une place en haut du classement, place aux Grid World Series. Et si les WSR sont le terrain d'essai, les Grid World Series sont le champ de bataille où les meilleurs pilotes au monde s'affrontent pour décrocher le titre de pilote ultime. Je n'ai rien à ajouter, Kristen. Et tandis que la poussière retombe sur les WSR, au loin, les moteurs des Grid World Series commencent à brombir, se préparant pour les sensations fortes à venir. On vous retrouve là-bas. Donc alors, bah voilà les gars, bah écoutez, objectif, on va regarder un petit peu les objectifs. Tous. Ok, donc vous voyez, il y a vraiment pas mal de choses à faire. Si, attendez, on va juste aller voir.
C'est où, 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 c'est là. Alors, le mode carrière, je lis profil, faire un club profil, ça c'est mon profil à moi, ok. Option, écurie, classement, pour l'instant j'ai pas encore fait tout ça. Hop, la boutique, bon, bah, ça nous renvoie sur Steam. Je lis ma carrière. Donc voilà les gars, bah écoutez, c'était petite découverte. Ce qu'on va se taper après, bah ça va être le mode carrière. Ah ouais, ils ont carrément tout changé. Ouais. Ok. Ah, c'est plutôt mieux. C'est mieux quand même qu'avant. Le menu, ouais, au moins on a tout en visu là. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Donc alors, on a du touring, du stock-car, du tuner, du IGT. C'est quoi ça? IGT, je connais pas. Je connais pas. Fernando Alonso. Alors ça, c'est Formule 1. C'est le truc que j'aime moins le faire puisque les voitures sont vraiment trop trop fragiles. Et Invitational. Et là, on commence classique Trophy San Francisco. Nanana. Ok les gars. Ok bah écoutez, on va s'arrêter là-dessus. Mettez-moi dans les commentaires sur quelle catégorie qu'on voulait qu'on commence la carrière et puis comme ça on va commencer la carrière direct. On commencera la carrière sur la prochaine partie. Donc bah les gars, laissez les messages dans les commentaires. J'espère que ça vous a plu et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Donc bah portez-vous bien. Ciao bye tout le monde.